Un tout autre point, à présent, un club d'élèves pour promouvoir les valeurs de la citoyenneté et de l'écologie, civisme, cohésion sociale, protection de l'environnement seront les maîtres mots de l'action du club en direction de la population. Une initiative d'élèves du lycée Marien Ngouabi de Ouagadougou que le premier responsable du département ministériel en charge de la justice encourage. Le ministre a officiellement lancé le démarrage des activités du club. Le reportage de Konsoun Koulibaly, Benewende, Frédéric Nikema. Le ditanien en langue nationale morée, entonné ici au lycée Marien Ngouabi de Ouagadougou, à l'occasion du lancement officiel des activités du club de citoyenneté et d'écologie. Un club d'élèves avec pour ambition de mener des actions de citoyenneté au sein de l'établissement. Comme activité dans notre programme, on a d'abord la sensibilisation de nos camarades sur le respect du règlement intérieur. Ensuite, on a la sensibilisation sur l'assainissement de notre cadre de vie. On a également la disponibilisation des poubelles dans l'enceinte de l'établissement pour pouvoir faciliter cet assainissement. Pour faciliter l'assainissement de notre cadre de vie, nous avons mis en place un slogan dont je ne jette plus de sachets, je n'en jette plus de sachets, donc je le ramasse. Une campagne de sensibilisation des élèves sur le civisme routier et des collectes de fonds pour l'effort de paix sont également au programme. Le club de citoyenneté et d'écologie du lycée Marien Ngouabi est né de la volonté du ministre en charge de la justice, Edasso Rodrigue Bayala, lors de son passage dans ce même lycée en octobre 2023 à l'occasion de la 20e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté. Dans ce contexte particulier de notre pays, où nous exaltons le patriotisme et les valeurs de citoyenneté dans la lutte contre le terrorisme, nous devons inculquer aux plus jeunes les valeurs de patriotisme et de citoyenneté. Et c'est pourquoi ce club a été effectivement mis en place avec l'encadrement du lycée. Vous constaterez vous-même, pour ceux qui étaient avec nous ici en octobre, que le lycée est plus propre, il n'y a plus de sachets plastiques qui tournent partout. Et vraiment, nous sentons que c'est en train de prendre. Et selon Edasso Rodrigue Bayala, le club de citoyenneté et d'écologie du lycée Marien Ngouabi est un exemple à reproduire dans d'autres établissements du Burkina Faso. Il marque d'ailleurs son engagement et sa disponibilité à soutenir de telles initiatives sur le sol burkinabé.